الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهدي الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. صلوات الله البدر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول المحشي على العقيدة الطحاوية على شرح الشيخ عبد الله الدر البهية صحيفة 58: وأما ما رواه ابن السمعاني من أنه سمع من العلاء أحمد بن محمد بن الفضل الحافظ بأصفهان يذكر عن محمد بن طاهر المقدسي الحافظ قال: سمعت أبا الحسن القيرواني الأديب بنيسابور، وكان ممن يختلف إلى درس إمام الحرمين، قال: سمعت أبا المعالي يعني إمام الحرمين الجويني يقول: لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. هل هذا الكلام فيه نظر؟ يعني الغالب أن هذه حكاية مكذوبة عن إمام الحرمين الجويني. Alors, il a dit, le commentaire, celui qui a commenté sur la prière de Tahawi, le Cheikh Samir Wa'amma, tandis que ce qu'il a rapporté de Mustam'ani, qu'il a entendu à Ala Ahmed, fils de Mohammed al-Fadl, le Hafiz al-Suhan, il rapporte que de Mohammed, fils de Tahir al-Maqdisi, le Hafiz a dit: j'ai entendu à Al-Hassan al-Qayrawan Al-Adil à Maïsabour, et que ce dernier, il assistait à la leçon de l'imam al-Haramayn. Alors il a dit: j'ai entendu Abu al-Ma'ali et l'imam al-Haramayn al-Juwayni dire: ne travaillez pas, ne cherchez pas à voir, ne travaillez pas dans la science de Kalam, c'est-à-dire la science de l'Aqid, de Tawhid, parce que si je suis que la science de Kalam va me ramener à ce que j'ai, je suis aujourd'hui, j'allais pas travailler avec lui. فلم يحكم ابن السمعاني بصحته. Tout d'abord, ابن السمعاني a dit cela, mais il n'a pas dit que ça c'est juste. وفنده تاج الدين السبكي في طبقاته، فقال: يشبه أن تكون هذه الحكاية مكذوبة. تاج الدين السبكي ابن تقي الدين السبكي إمام جليل القدر. Taj al-Din al-Subki, le fils de Taqi al-Din al-Subki, il a dit que cette version-là, elle est plus proche d'être mensongère, plutôt une mensonge, dans son livre Tawaqqat. فَقَالَ يُجْبِرْ تَكُونَ هَذِي الْحَكَيَةَ مَكْلُوبَ وَابْنُ طَاهِرْ عِنْدَهُ تَحَامُلْ عَلَى إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ. يعني يندي محمد فيز طاهر المقدسي إلى رقبته القيرواني أبو الحسن. من محمد المطاهر السميلا إلى ذلك الشخص كونت الإمام الجويني إلى dépassé les limites en critiquant الإمام الجويني. والقيرواني المشار إليه رجل مجهول. لو إلى دي أبو الحسن القيرواني بنيسابور. Qui est cet homme-là? Il a dit: c'est inconnu. ثم هذا الإمام العظيم الذي ملأت تلامذته الأرض لا يقال عنه هذه الحكاية عنه غير رجل واحد. الإمام الجويني ses élèves ils ont rempli la terre. C'est un grand imam ash'ari. Oui, mais lui, l'imam, il est vraiment quelque chose de très étonnant. Lorsque vous voyez les savants comment ils l'ont loué, c'est من عجائب الزمان l'imam al-Haramayn Juwayni. Alors il a dit: comment ça se fait que cette version, il n'y a qu'un homme inconnu qui rapporte cette histoire, que ne travaille pas dans le sens de Kalam, parce que si je suis qu'il allait me ramener à ce qu'il m'a ramené, j'allais pas travailler dans cela. Il n'y a que cet homme qui rapporte cette parole de cet imam, et les autres élèves, ils parlent de ce qu'il a dit Juwayni au niveau de la science de Tawhid, la science de Kalam, et les livres de Juwayni sont nombreux, c'est pas un petit, plusieurs livres à ce sujet.
فقال وابن طاهر يقول ولا تعرف من غير طريق ابن طاهر ان هذا لشيء عجيب واغلب الظن انها كذبه افتعلها من لا يستحيل لفورت ريزون plutôt c'est une mensonge quelqu'un qui n'a pas de la pudeur de vis-à-vis de Dieu et des musulmans il a forgé cette mensonge ومن الذي بلغ به علم الكلام اليس قد اعز الله به الحق il a dit qu'est-ce qui lui a fait la science du kalam c'est pas par cette science Allah Ta'ala a donner à soutien à la vérité, à appuyer la vérité. Il a donné un grand soutien pour la voie de l'Al-Sunnah wal-Jama'a et il a fait étouffer les égarements et les mauvaises innovations. وقول التقي السبكي رحمه الله ربما في أثناء الثاني والثالث لأن السبكي قال أنه حصل في أثناء الثاني والثالث ظهر البدع. السبكي On a rapporté sa parole avant et qu'il a dit peut-être dans le deuxième et le troisième que c'est apparu des groupes sectaires, des groupes d'innovation. Mais plutôt, il y avait quelque chose qui est apparu même à l'époque de Sahaba, les Khawarij qui ont déclaré Ali ibn Abi Talib kafir et ils ont déclaré que celui qui fait un grand péché, ils ont dit kafir. Alors, ça, ils sont apparus pendant que le Sahaba, beaucoup parmi eux, étaient vivants. Et dans le Hassala, Shaykh min al-Bida' zaman al-Sahaba wa yya bida'at al-Khawarij wa yya takfir murtakib al-Kabira. Wa al-Mu'tazila fi hayat ibn Umar wa ibn Abbas. Ibn Umar wa ibn Abbas parmi les compagnons wa Anas ibn Malik parmi les compagnons qui ont vécu longtemps. À leur époque, Ibn Omar ou Ibn Abbas, encore on a vu les Mu'tazila, c'est-à-dire ceux qui disaient pas de prédestination. Ils disent ce qu'on fait n'est pas prédestiné par Dieu, nous-mêmes on a fait, nous-mêmes on a créé. Alors ça, ils se sont apparus, ils ont parlé de ça à la vie de certains compagnons, le fils de Omar et Abdullah, fils de Ibn Abbas, radiallahu anhu. ولعل مراده انتشار مقالاتهم في نواحٍ ولعل مراده انتشار مقالاتهم في نواحٍ مختلفة يعني peut-être il voulait dire que oui dans le deuxième et le troisième c'est là où il y avait leur innovation est très répandue dans plusieurs points c'est dans ce sens là ذكرنا هنا نقول انه الشافعي رضي الله عنه لم يذم علم الكلام وانما ذم كلام اهل الاهواء الشافعي n'a pas critiqué la science de l'aqida la science de tawhid le fait d'argumenter par les preuves rationnelles et les textes selon les règles de la sunna wal jamaa mais il a critiqué la parole des groupes innovateurs comme Mu'tazila wal Qadariya qui étaient connus à son époque Alors il y a deux versions qui ont été rapportées de l'imam Shafi'i. Riwayatan min kalam muqilatan an Shafi'i. Wahida la yalqa Allah al-'abd bi kulli shay'in khala ash-shirk bi kulli dhanbin khala ash-shirk khayrun an yalqahu bi shay'in min hadha al-kalam. Wa fi riwayatan la yalqa Allah al-'abd bi kulli dhanbin khala ash-shirk khayrun min an yalqahu bi shay'in min hadhihi al-ahwa. Fatuhmal kalimat al-kalam 'ala kalam ahli al-ahwa al-firaq al-dhalla. Alors ça a été rapporté que Shafi'i l'a dit Si l'être humain vient le jour du jugement avec n'importe quel péché, moins que la mécréance, c'est mieux que le fait de venir avec Al-Kalam. On laisse comme ça Al-Kalam. Mais dans une autre version, si que l'être humain vient le jour du jugement avec n'importe quel péché, en dehors de Kufr, en dehors de la mécréance et de l'échec, c'est mieux que le fait de venir avec ses voies d'égarement, avec ses innovations. Alors on dit la première version est expliquée par la deuxième. Lorsqu'elle a dit Al-Kalam, c'est-à-dire parler dans la science de l'aqida, dans la manière des groupes sectaires comme Al-Jahmiya ou Al-Qadariya. Mais, Shafi'i, radiyallahu anhu, fi ayyamihi, كان أهل السنة بعدهم يشتغلون بالفقه والحديث. يشتغلون بالفقه والحديث. ويعني يوجد من يتقن هذا العلم وتكلم فيه شيئا بسيطا بالرد على القدرية والخوارج. À l'époque de l'imam Shafi'i, les gens de l'Ahl Sunnah wal Jama'a ils étaient pris par le fait de rapporter le hadith. L'imam Malik il travaillait sur le Muwatta, l'imam Shafi'i il enseignait le fiqh et le hadith aussi, l'imam Ahmed aussi.
On délaissait les groupes sectaires et innovateurs, on ne laissait pas les gens discuter avec eux, parler avec eux, assister à leurs séances. Ils travaillaient dans la lecture du Coran. C'est ça la règle. On a dit l'imam Shafi'i maîtrisait cette science. On dit que Omar ibn Abdelaziz, encore, il a répondu contre le Qadariya, ou Hanifa, il a fait quelques livres, mais ils n'étaient pas très connus. C'était pas quelque chose de très répandu. C'est pas quelque chose qu'on parle partout. Alors, si l'imam Shafi'i a dit Al-Kalam, et à son époque, les gens de Al-Sunnah wa Jama'a n'ont pas trop parlé parce que Allah les a préservés par les grands imams de hadith, de fiqh, de ceux qui maîtrisent la lecture, et les gens de Al-Sunnah travaillaient dans ces sciences. Alors, c'est pour cela qu'on dit, lorsqu'il a dit Shafi'i Al-Kalam, il visait les groupes sectaires qui étaient connus à son époque par le fait de parler incorrectement au sujet de l'Qadar, au sujet des attributs de Dieu. Al-Jahmiya ou Al-Qadariya kanu يتكلمون بهذه بعلم الكلام بما لا يصلح في حق الله سبحانه وتعالى وموضوع القضاء والقدر ونحو ذلك. أما أين تشهر الكلام عند أهل السنة والجماعة وانتشر الأمر فيه وكثرت الكتب والمناظرات وقرع أهل السنة أهل البدع بالحجج الباهرة أيام الأشعري والماتريدي، وهذا بعد موت الإمام الشافعي 100 سنة. Alors, si on dit la science de Kalam, la science de l'Aqidah, la science de Tawhid est très répandue, que les imams ont travaillé dans cela, et des grands imams ont appris chez l'imam Shafi'i, chez l'imam Al-Ash'ari, ils ont débattu avec les groupes égarés, ils ont dévoilé leur égarement, ils ont fait que la bannière de Al-Sunnah wa Jama'a et de Tawhid a triomphé et les autres ont été écrasés, la tête basse. C'est au temps de l'imam Al-Ash'ari ou Maturidi, et ça c'est un siècle après l'imam Shafi'i. Alors si l'imam Shafi'i à son époque il a dit Al-Kalam, il vise Al-Kalam des groupes sectaires, des groupes innovateurs. Et donc Al-Kalam, هذه الرواية خير من أن يلقوا شيء من الكلام يحمل على كلام أهل البدع لأنه كان المعروف في زمانه كلام أهل البدع. أما أهل السنة الله تعالى شغلهم وحفظهم بالاشتغال بالحديث والفقه والقراءات والرواية عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كانوا مشغولين بهذا. طبعا ما قلنا أنهم ما كانوا يحسنون هذا العلم، كانوا يحسنونه، ولكن لما كان أهل البدع أمرهم ضعيف فما احتاجوا أن يظهروا تلك العلوم، كمن كان هو مدجج بالسلاح ولكن ما رأى عدوا حتى يشهر سلاحه. فلا نقول هذا ما كان عنده سلاح، كان عنده لكن ما احتاج إلى إظهاره، ما احتاج إلى إظهاره. فلما كان الإمام الأشعري والماتريدي رضي الله عنهما وكثر أهل البدع حتى سيطروا على بعض المراكز الحساسة في الدولة العباسية، احتاج أهل السنة أن يظهروا ما عندهم من علوم واستدلالات وحجج وبراهين، وأن يطفئوا عقائد المبتدعة، فأظهروا ما عندهم من تلك العلوم. أما الأوائل كانت عندهم وما احتاجوا أن يظهروا. J'ai dit que ça veut pas dire que les gens de l'Sunna wa Jama'a à l'époque de Sahaba et Tabi'in ou Atba'a Tabi'in qu'ils n'avaient pas la connaissance et la maîtrise du sujet de Tawhid, de l'Aqidah, pas du tout. C'est des gens qui ont maîtrisé, mais ils n'ont pas eu besoin de montrer cela et de faire des débats parce que les groupes sectaires étaient des minorités et ils n'ont pas eu besoin de répliquer, de parler trop, et ils se limitaient à isoler ces gens-là, à les faire chasser de leurs séances. Comme a akhraj al-Hassan al-Basri, Wasir ibn Ata, il a fait sortir de sa séance. Hakada kana al-Hal. Mais, je donne l'exemple, quelqu'un il avait tout ce qu'il faut, l'arc, l'épée, la lance, le poignard, et il marchait et il n'a pas montré ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un ennemi qui le confronte, il n'a pas eu besoin. Ça ne veut pas dire que celui-là il n'est pas bien équipé ou il ne sait pas combattre. Il sait combattre et il a tout ce qu'il faut, mais il n'a pas trouvé l'ennemi pour montrer. Alors, au temps de ces imams, Abu Hanifa, Shafi'i, Malik, tout ça, il n'y avait pas beaucoup. On a parlé que Abu Hanifa, il a débattu, mais il est parti à une distance de 1 mois, de Baghdad jusqu'à Al-Basra, pour les dévoiler là-bas, pour les casser là-bas, les écraser là-bas.
Et les autres imams n'ont pas été parce que voilà, ils étaient pris par d'autres sortes de sciences. Mais ils avaient la connaissance et la maîtrise et les arguments. Et j'ai bien expliqué l'exemple. L'exemple de celui qui a tout ce qu'il faut, mais il n'a pas eu besoin de montrer ce qu'il a. Tandis que l'imam al-Ash'ari wa al-Maturidi ont eu besoin, parce que ces gens-là, ils ont pu manipuler certains califs abbassés. Alors, l'imam al-Ash'ari a fait son travail à Bagdad, et 20 ans après, yani depuis que l'imam Ahmad a été mis dans la prison, et 20 ans après, au temps de Mutawakkil, on a étouffé complètement le bid'ah de Al-Qadariya et on a repris la, ce qu'ils disent Al-Sunnah wal-Jama'a, Al-Qur'an kalamullah ghayru makhluq, Al-Qur'an kalamullah ghayru makhluq, Al-Qur'an sifatullahi ghayru makhluq. Faizan qulna al-Shafi'iyu, idhan hamala kalamu yuhmal ala kalam ahli al-bid'ah kal-Mu'tazila wal-Khawarij, faqad qala al-Shafi'iyu radiyallahu anhu, la yalqa Allah al-Abdu bi kulli dhanbin ما سوى الشرك خير من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء. فليس مراد الشافعي بالأهواء هذا العلم الذي هو فرض تعلمه. الإمام الشافعي n'a pas visé de critiquer la science de tawhid parce que c'est une obligation de connaître la science de tawhid. C'est la base de l'islam, c'est le fondement de l'iman. Comment peut-on adorer Allah si on n'a pas connu les attributs de Dieu, si on n'a pas connu Allah? Comment peut-on avoir une adoration qui est juste? كيف نصح العبادة إلا نعرف الإله الذي يستحق أن يعبد. قال رحمه الله ولا شيء يعجزه شرعا هذا فيه رد على قول المعتزلة إن الله لا يستطيع أن يخلق مقدور العبد لأن الله أعطاه القدرة. هم قالوا المعتزلة قالوا الله أعطى العبد القدرة على الفعل فصار عاجزا أما قبل ذلك فكان قادرا ولا شك أن هذا كفر أيضا. alors il a dit l'imam Nasafi ولا شيء يعجزه rien n'est difficile pour Allah, il est le tout puissant sur toute chose, rien n'est difficile pour lui. Et il a dit ça c'est pour répondre contre le Mu'tazila qui ont dit que Allah Ta'ala était capable de créer nos actes. Mais lorsqu'il nous a donné la capacité pour créer, il est devenu incapable. Et sans doute, c'est une parole de méclance. Que ça veut dire? Ils disent Allah a donné à l'être humain une capacité par laquelle nous créons, par laquelle nous prédestinons. Et après qu'il nous a donné la capacité de créer, il est devenu incapable de créer nos actes. Mais ça, c'est de la méclance. الله سبحانه وتعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كيف يقول هؤلاء؟ كيف يقول هؤلاء؟ الله تعالى dit dans le Coran vous ne réalisez ce qui signifie vous ne réalisez votre volonté que si Allah a voulu. Vous n'arrivez à réaliser votre volonté que si Allah a voulu, c'est-à-dire notre volonté est sous la volonté de Dieu, et pas le contraire. Mais ces gens-là ils disent non, si on veut on fait ce qu'on veut sans la volonté de Dieu. Et Allah ne peut pas nous empêcher, c'est ce qu'ils ont dit. هكذا قال الله قال الله عاجز عن أن يخلق أفعاله الذي ينسب إلى الله العاجز يكفر. لذلك قال الإمام النسفي لا ولا شيء يعجزه ولا شيء يعجزه هو القادر على كل شيء. والله تعالى قال والله خلقكم وما تعملون. الله تعالى a dit vous a créé ce qui signifie vous a créé et ce que vous faites. والقائلون بأن الله لا يقدر على خلق أفعالنا لا يجوز الاختلاف في تكفيرهم. Ceux qui disent Allah est incapable de créer nos actes, il ne faut pas avoir de doute, il ne faut pas avoir de divergence, qu'ils sont mécréants. Il ne faut pas qu'on aura une divergence de les traiter mécréants, ceux qui disent Allah est incapable de créer nos actes. هذا الكلام أثبته عن المعتزلة الإمام المنصور الماتريدي في كتاب التوحيد والإمام المنصور البغدادي في الفرق بين الفرق وشيخ ابن إبراهيم المالكي في كتاب حس البلاصم وغيره. يعني نو أني كان خان دو مونتير سور المعتزلة. المعتزلة ils ont dit Allah nous a donné une capacité pour créer nos actes, après ça il est devenu incapable de créer nos actes. Ça c'est pas quelque chose que nous on a menti, qu'Al Sunna a menti. Là l'imam al-Maturidi dans son livre Al-Tawhid, il a confirmé qu'ils ont dit ça. Le grand imam Mansour al-Baghdadi
dans son livre Al-Farq bayn al-Firaq et on l'a dans notre bibliothèque, il a dit qu'ils ont dit ça à l'imam Maliki qui s'appelle Chif, fils de Ibrahim. Il a fait tout un livre, Hazzul Ghalasin, fi Ifham al-Mukhasim, contre Al-Mu'tazila aussi. ومن يقول مثلي فلا يجوز الاختلاف في تكفيري. Celui qui dit quelque chose pareil à ça, qu'Allah est incapable de créer nos actes, et il ne faut pas avoir une divergence qui l'a mécru. وللمعتزلة فوق هذا قولان آخران كفريان. أولهما ادعاؤهما أن فعل العبد الاختياري ليس بخلق الله تعالى بل بخلق العبد. يعني المعتزلة ils ont dit Allah est incapable de créer nos actes, et ils ont dit nos actes sont créés par l'être humain. كيف الإنسان لا يخلق شيئاً؟ قال تعالى هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ الله يقول هل من خالق غير الله؟ لا لا يوجد. المعتزلة يقول نعم كلنا. الله تعالى أديم القرآن سبيسيني. Est-ce qu'il y a un créateur à part Allah؟ Nous on dit pas de créateur à part Allah. المعتزلة disent nous tous. Mais bien sûr c'est du shirk et c'est du kufr. قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ Est-ce celui qui crée يعني الله تعالى يقول استوي كي كري comme ceux qui ne créent rien alors ils sont pas pareils et il n'y a pas un créateur à part lui. Or on a déjà dit non, nous créons nos actes. وثانيهما ثاني قول المعتزلة وهو كفري زعمهم أن الله لم يشأ حصول الشر من العبد وإنما يحصل الشر غصبا عنه وبغير مشيئته. Encore une autre méfiance pour المعتزلة. Ils ont dit que le mal se réalise malgré Dieu. Ils ont dit que le mal ne se réalise pas par la volonté de Dieu, mais malgré Dieu. Mais Allah Ta'ala a dit يُضُلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. كيف أنت تقول أنت الأضلال يحصل بغير المشيئة؟ Comment tu dis que l'égarement se réalise sans sa volonté? Et Allah a dit يُضُلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Moussa alayhi salam, lorsqu'il a vu, lorsqu'il est revenu du monde de Sinaï, il a trouvé 70 000 qui sont adorés le veau. Il a dit « Inhiya illa fitnatuk, udhullu biha man tasha, watahdi man tasha. » Moussa, lorsqu'il a trouvé que 70 000 personnes de 50 000 qui ont adoré le veau, il a dit « Oh Allah, c'est ta volonté, c'est toi qui égare qui tu veux, c'est toi qui guide qui tu veux. » وفي القول الأول نسبة الشريك لله تعالى ونفي وحدانية الله في التقليد. Lorsqu'ils ont dit l'être humain crée ses actes, ils ont attribué à Dieu des associés. Et c'est de la méfiance. Allah تعالى est unique par la création. الله واحد في الإبراز من العدم إلى الوجود. لذلك لو قلت لا إله إلا الله معناه لا خالق إلا الله. Si tu dis لا إله إلا الله, ça veut dire il n'y a pas de créateur à part Allah. وفي الثاني نسبة العجز إلى الله سبحانه وتعالى. Le fait de dire que Allah est incapable de créer nos actes, alors attribuer à Allah l'impuissance, c'est de la méfiance. الذي ينسب إلى الله العجز كفر. هؤلاء يقولون الله عاجز عن أن يخلق أفعالنا فهو كفر. ولذلك حكمت آياتهم بكفرهم كما روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن زرارة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تلا قول الله تعالى في سورة القمر ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر ثم قال نزلت في أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون بالقدر. Alors Ibn Abi Hatim parmi les prophètes, il a rapporté que le prophète عليه الصلاة والسلام a récité l'ayatain ذوقوا مس سقر goûtez le châtiment de سقر, c'est-à-dire جهنم. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. Toute chose a été créée selon notre prédestination. Il a dit cette aïe a été révélée au sujet de certaines personnes qui vont apparaître par la suite dans ma communauté et qui nient Al-Qadar. Et il a dit que c'est de la mécréance. Ils seront châtiés dans l'enfer à cause de ça. وروى ابن نعيم في تاريخ أصفهان أن مشركي قريش جاءوا إلى رسول الله يخاصمونه صلى الله عليه وسلم في القدر فأنزل الله تعالى قوله إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. Alors الحافظ أبو نعيم dans son livre l'histoire d'Osmahan
Et il a rapporté que les associateurs de Quraysh ils sont venus vers Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam pour débattre au sujet du Qadar. Et Allah a révélé à l'ayat, l'ayat que je viens de citer, Inna al-mujrimina, c'est-à-dire mujrimin, les criminels, c'est-à-dire les mécréants là, fi dhalalin wa sur'ur, dans l'égarement, et ils vont être punis et châtiés. Hein. Le jour ils vont être tirés sur leur visage dans Jahannam. Goûtez le châtiment de Saqar. Toute chose a été créée selon notre prédestination. Amr, fils de Shu'aïb, de son père, de son grand-père, il a dit que l'ayat « Inna al-mujrimina fi dhalalin wa su'ur » jusqu'à le mot al-qadar, l'ayat que je viens de citer, ont été révélés à ceux qui nient al-qadar. Al-Haythami al-Hafidh, قال إسناد حسن وقرأ الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد مسند البصر. Alors il a al-Haythami al-Hafidh, le hadith est juste, il est Hassan et al-Hafidh Ibn Hajar a confirmé cela dans son livre Zawaid Musnad al-Zazzar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.